un mec qui peut nous fournir en coke. Quoi? Yazak. Vous le lâchez pas. Je te rembourse le kilo de poudre que tu m'as avancé, je t'en prends 9 de plus. Il vient d'entrer en contact avec un gros barbu. Une sorte de biker, ça a tous les coups, il est enfoiré. Tu m'as déjà dit ça y est demain, on va se voir demain. Ouais. On se voit où demain? On a premier rendez-vous. T'attends, t'arrives à entendre qu'ils se disent? Non, je suis trop loin là. Il se barre. Au moins on a récupéré le fric, t'as. Putain, regarde, t'as les keufs au cul là. T'as le Gaulois qui te cherche partout depuis qu'il a pas eu sa thune, tu veux quoi? Je te pose la question une dernière fois. Elle est où ma thune? Tu comprends quelque chose, toi? Allez. Il est au milieu des champs là. Bonjour, excusez-moi. Ça va vous paraître complètement dingue, mais je viens de me réveiller là dans les bois et j'ai pas la moindre idée de comment j'y atterris. Non, David, ça me paraît pas dingue du tout. Comment vous savez que je m'appelle David? On se connaît? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Calme, du calme. On est là pour discuter. Discuter de quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu me dises où est ton frère. Mon frère? Mais pourquoi? Ton frère a volé une chose précieuse. Un timbre. Une pièce unique d'une grande valeur. On m'a chargé de le récupérer. Attendez. Les magouilles de mon frère, c'est plein foireux, c'est pas mon problème. Eh bien, va falloir que ça change. Je sais pas où il est. Ça fait une éternité qu'on s'est pas parlé. Bon, voilà comment ça marche. Ton premier jour vient de commencer. Avant la fin du troisième, le timbre aura été rendu à son propriétaire ou quelqu'un mourra. Pas la peine de faire des menaces, hein. Je sais pas où il est. Alors tant pis pour elle. Attendez, c'est une blague? Je suis là pour te faire marrer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Où est-ce qu'elle est? Pour l'instant, rien. Mais si tu ramènes pas le timbre, crois-moi, t'auras vraiment des raisons de pleurer sur ton sort. Mais... je sais pas où il est, comment vous voulez... Je t'aimais. Le numéro est pré-enregistré. Dans 3 jours, tu appelles. On récupère le timbre, tu récupères ta copine, et tout le monde est content. Vous croyez que j'ai me laissé faire? Mais je vais appeler les flics, et je vais leur raconter toute l'histoire. Est-ce que tu sais pourquoi je porte des gants? Pour pas laisser d'empreintes. Ce qui est pas ton cas. Parce que tes empreintes à toi, les flics vont les trouver un peu partout. Et là-dessus aussi. Oh, c'est quoi ça? Faut vraiment que tu vois quelque chose. C'est quoi ce bordel? Ce bordel, c'est mon assurance que tu iras pas voir les flics. Parce que si t'y vas, je bute ce pauvre type et je lui envoie le flingue avec tes empreintes dessus. Attendez! Tu n'es pas obligé d'en arriver là! Laissez-le partir. Et relâchez Sarah aussi. Et je vous promets que je vous aiderai à retrouver mon frère. Je vous le jure! C'est tentant. S'il vous plaît. Je vous jure que je tiendrai ma promesse. Je n'en doute pas. Maintenant, t'as le choix entre 2 options. Soit tu te suicides après le meurtre que tu viens de commettre, soit tu penses à ta copine et tu récupères ce timbre.
Alvarez. Bonjour. Quand le juge vous le demandera, vous lui redites bien tout ce que vous m'avez dit. Tout. Merci. Entrez. On n'a jamais parlé. Non fondé. Asseyez-vous, Alvarez. Asseyez-vous. Allez, lève la tête, regarde-moi. Asseyez-vous. Tes histoires, moi je les connais par cœur. Alors je vais aller faire un tour. Ça a l'air d'un mois d'un commissaire en quelques minutes, c'est pas beau ça ? Indice autorité, votre position. Où est-ce que vous étiez passé ? De nouveau, il y a eu un petit malaise, on a dû aller prendre l'air. Et ça va bien ? Oui, bah il tiendra le coup. Bon, j'ai un malaise, moi. Regarde-toi, t'es tout pâle. Mon malade, c'est de voir qu'on fait pas notre travail. Et c'est quoi notre travail ? Assurer la sécurité de nos concitoyens ? Arrêter les délinquants. Ah, tu veux arrêter quelqu'un, tiens. La voiture garée en plein milieu là-bas, interdit. Le néon qui clignote et la petite vieille qui traverse en dehors des trous, interdit. Travelot caché derrière la colonne. Interdit aussi. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Arrête tout le monde. Une voiture 26, autorité. Envoyez 6 quarts de police. Le nouveau a arrêté 250 personnes. Je voudrais quand même te méfier un peu pour Sonia. On a déjà serré des flics pour proxénétisme. Ouais, tu te trompes, elle est pas comme ça. Ah bon? Non, puis alors bien sûr, elle se débrouille. Tu connais la loi aussi bien que moi. Là-haut, ils sont déjà au courant. Va falloir faire un choix et vite. Ce sera elle ou toi. Bonjour. C'est fou ce qu'elles sont inoffensives, ces petites bêtes-là. Je sais pas si ça me réjouit ou si ça m'ennuie. Nous en avons des plus féroces, si c'est ce que vous cherchez. Vous êtes le patron ? J'ai repris l'affaire de mon père il y a à peine 2 semaines. Il me semble, mais arrêtez-moi si je me trompe, et que vos beaux spécimens ne devraient pas être en vente ici. Comment ça ? Ce sont des espèces protégées que vous revendez, là. Alors, ça serait dommage de les voir s'envoler comme ça. On peut sûrement trouver un arrangement. Bah voilà. Donner des conseils, ça fait partie de notre boulot. On se fait des amis et tout le monde est content, non ? Bah ouais. Police, ça va ? Ah, c'est un danseur, eh. Ah ouais, il y a les anciens là-dedans, ça se voit.